Donc là, anniversaire. Même la petite, elle va trinquer. Non, mais le t-shirt. Ça doit ressembler un peu à ça. C'est comme un il n'y a pas de. Du coup. Voilà, c'est G qui a tout préparé. Dans la rue, comme d'hab. Hein, chérie? Elles sont énormes. T'as pris la boucherie? Énorme. Il y a les grands-parents avec la petite. Voilà. Papa G. Papa G. Plus d'enthousiasme. Hein. Happy birthday. Là, faut que tu fasses un vœu. Je suis un vœu, attends. Souffle ou je attends la fin? T'as un vœu. Ok. Allez. Oui. Donc, je vous remontre les petits maillots de bain. Donc, la dernière fois, vous les avez tués, vous avez bombardé le site. Donc, voilà, enfin, la nouvelle collection de chez Fit Tiger vient d'arriver. Donc, sur leur site, la collection pour cet été. Donc, des maillots de bain 2023. Et sachez que c'est pas n'importe quel maillot de bain. Vous voyez leur petit logo là. Hop, vous voyez que là... J'ai une silhouette plutôt pas mal, tout simplement, parce que ce sont des maillots de bain gainants. Vous savez que normalement, j'ai mon ventre, hein, voilà, hein, ça fait un mois maintenant que j'ai accouché. Et du coup, bah, j'ai toujours mon petit ventre, il part petit à petit. Mais pour le coup, j'ai prévu le coup pour cet été. S'il n'est toujours pas parti, eh ben, c'est pas grave, je mettrai ces maillots de bain à la plage. Donc ce sont des maillots de bain qui sont conçus pour les femmes qui sont complexées, qui veulent gainer tout leur partie du corps et au moins qui peuvent aller se baigner cet été sans complexe. On peut tous aller se baigner et puis on est bien gainé à l'intérieur. En plus, regardez comment ils sont juste sublimes, la matière et tout. Enfin, ils sont trop beaux. Voilà, ça change des maillots de bain gainants qu'on faisait avant et qui étaient vraiment pas beaux. Là, au moins, ils sont très beaux. Il y a des coques au niveau de la poitrine pour celles qui m'ont demandé la dernière fois. Donc, ça maintient bien la poitrine. Et puis, ils sont sublimes. Je vous montre le deuxième modèle que j'ai sélectionné, que j'ai choisi. Donc, je me change et je vous montre ça tout de suite. Et donc, il y a ce modèle-là. Donc, c'est un autre modèle, vous voyez, avec la marque juste ici. Donc, Fit Tiger. Comme vous voyez, il est aussi gainant. Donc, il est trop beau, ce modèle. Voilà. Donc, hop. Voilà. Au niveau là, il gaine. Du coup, ça nous fait une belle cambrure. Pareil, au niveau du ventre, grâce à tout ça, il gaine. On voit même pas que c'est effet gainant tellement qu'il est beau. Pareil, il y a des coques dans celui-là et il est génial. On peut adapter les bretelles. C'est comme vous le souhaitez. Pour celles qui m'ont demandé également, moi j'ai pris du M. Donc voilà, après vous prenez votre taille. Moi c'est vrai qu'en ce moment je fais du M. Donc j'ai pris du M pour bien me gainer le ventre. Voilà, donc je vous donne un code promo juste après. Je vous donne un code promo de moins 60%. Mais par contre, comme je vous dis, ça va très très vite. Sachez que ce code, il est valable donc sur toute la nouvelle collection 2023 de maillots de bain. Donc dépêchez-vous. Ah, Adia vient de se réveiller. On est en train de changer la petite coucouche. Bah oui, parce qu'elle est trop réglée. Oh non, voilà. Donc je ne sais pas vous, moi les filles, je change la couche toujours avant bib. Parce que j'ai remarqué quand je lui fais après un bib, le fait de l'allonger comme ça d'un coup... oui, elle est à la fin, là. Du coup, elle rejette tout, elle vomit. Alors ça, dites-moi ce que vous en pensez pour les mamans qui l'ont. L'aspirateur pour le nez de chez Braun. Et je vous donne mon ressenti après. Voilà, donc dites-moi vous. On a passé une trop bonne journée, là. Tout le monde vient de partir. Donc moi, je vais attaquer un petit peu tout le rangement à la maison. Donc c'était l'anniversaire de ma belle-fille. On a fêté ça en famille, avec les amis, la famille et tout. On était une quinzaine. Trop bien les petits dimanches comme ça. Du coup là, Alia vient de boire son bib, elle est en train de s'endormir, tant qu'elle fasse son roux. Et voilà, donc après je vous fais le petit retour de l'aspirateur, parce que vous m'avez dit retour, tout ça. J'ai aussi reçu des petits cadeaux pour Alia, des tatas, donc je vais vous montrer. Et quoi d'autre, je vais faire tout le rangement, tout ça. Voilà, la maison. Je me suis changée parce qu'il faisait hyper chaud. Alors, on avait trop les boules. On avait tout préparé pour faire sur la terrasse, la nive et tout. Sauf que ce matin, en se réveillant, il pleuvait. Et là, grand soleil. Regardez, je vous montre.
grand, grand soleil. Là, on avait mis des tables, chaises et tout. Enfin, voilà. Voilà, pareil pour la couche. Juste après le bibi, en fait, la petite, moi aussi, elle fait des régurgitations. Si je la mets comme ça, je la manie, ses jambes et tout, ça la dérange. Et en plus de ça, elle s'endort après un bibi. Donc là, si je la manie, la pauvre, elle est complètement dérangée. Donc moi aussi, ça a toujours été avant. Après, si vraiment je vois qu'elle fait caca pendant le bibi, ça c'est sûr, bah, qu'elle soit dérangée ou pas, je la change avant qu'elle dorme. Mais voilà, après, je vois qu'il y a des mamans qui disent non, c'est avant, après, enfin voilà. Après, je pense que chacun fait comme il veut avec son... Enfin, fait du mieux avec son bébé. Il y en a peut-être qui préfèrent après le bibi. Voilà. Le bébé va pas régurgiter. Moi, pour la mienne, elle régurgite trop, en fait. Bon, je vous reparle de ma montre X-Watch que vous connaissez tous. Voilà, donc c'est une montre qui est juste incroyable. Franchement, elle est trop, trop bien. Tout simplement, c'est une montre connectée avec mon téléphone. C'est-à-dire que avec cette montre-là, je peux appeler, je peux écouter de la musique. J'ai toutes mes notifications. Et au-delà de ça, pour les personnes qui sont assez sportives, ce qui est super, c'est que grâce à cette montre-là, eh ben, vous pouvez calculer le nombre de calories que vous perdez selon le sport que vous faites, votre rythme cardiaque. Donc pareil, quand vous faites du sport, eh ben, c'est bien de calculer son rythme cardiaque. Ce qui est génial, c'est qu'elle a une catégorie santé, donc pour connaître la température corporelle de son corps, pour savoir si vous dormez bien, voilà, donc à calculer le temps de sommeil. Enfin voilà, cette montre, elle est vraiment complète, elle est vraiment bien. Et au-delà de ça, enfin, recevoir des appels sur sa montre, c'est trop bien. Au moins, on ne sort pas son téléphone, je vous montre. Ouais, ça va? Ouais, t'es bien rentrée? Oui. Ouais. Ouais, tout va bien. Elle dort. Bon, ben super. Moi, je voulais savoir si t'étais bien rentrée. Oui, je suis bien rentrée. Ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. Ok. Bon, mais je te fais des gros bisous à tout à l'heure. Oui, moi aussi. Embrasse bien pour mon bébé. Ouais, bisous à tout à l'heure. Oui, ça marche. Bisous. Tout ce que la montre faisait. En tout cas, sachez que là, moi, j'ai choisi un bracelet rose. Les bracelets sont interchangeables. Donc, c'est ça qui est cool. Vous avez d'autres couleurs sur le site. Donc, vous pouvez choisir noir. Enfin, il y a d'autres couleurs. Et vous pouvez en prendre plusieurs parce que ça peut se changer. Donc, cette montre, elle est trop bien. En plus de ça, il y a un code promo de moins 20%. Donc, je vous mets juste après. Donc, c'est vraiment une offre exclusive qui est valable sur tout le site. D'ailleurs, vous pouvez aller voir. Il y a d'autres modèles. Mais cette montre, je m'en passe pas. Elle est vachement bien. Surtout que bah, je la charge pas tous les jours parce qu'il y a 7 jours d'autonomie. Donc, c'est énorme. Pendant 7 jours, vous n'êtes pas obligé de la charger. Puis, c'est trop la vie. On est dans la rue. On n'est pas obligé de sortir son téléphone pour répondre à nos coups de téléphone ou pour appeler quelqu'un. Et comme vous avez vu, vous faites du sport. Vous courez dans la rue, par exemple. Vous activez le mode sport. Vous savez le nombre de pas du coup que vous faites et le nombre de calories que vous perdez. Et vous pouvez écouter de la musique. Regardez, je vais vous montrer. Première fois que je remets un jean depuis 9 mois. Pas sous d'habitude, c'était des jeans de grossesse. Et là, je suis contente. Par contre, je l'ai acheté hier à Zara et c'est taille 38. Donc j'avoue que ça me fait bizarre. Mon 38, c'est petit, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça me fait bizarre parce que d'habitude, je mettais du 34. Et là, voilà, taille 38. Alors que j'ai l'impression que j'ai encore maigri, mais non. Voilà, mais je trouve qu'il est sympa. Donc Zara, il y a actuellement les filles. Et puis j'en ai acheté un autre, je vous montrerai quand je le mettrai. Non, ne vous inquiétez pas, je ne me déshabille pas devant vous. Mais je voulais vous remontrer les petites culottes Blinks. Voilà, donc aujourd'hui j'ai la petite beige. Donc comme vous savez, j'ai mon retour de couche. D'ailleurs, ça dure combien de temps? Parce que moi, ça fait un mois que j'ai accouché.
Et ça fait un mois que j'ai mon retour de couche. Enfin, je pense qu'on appelle ça comme ça. Enfin voilà, donc j'aimerais savoir, ça part dans combien de temps? Parce que franchement, ça devient long, ça devient lourd, c'est relou. Mais pour vous dire que moi, voilà, il n'y a pas de tampon ni serviette à la maison. Moi, ça n'existe pas à la maison. C'est les culottes Blinks. D'ailleurs, essayez de faire comme moi, même les petites gènes qui, ben, pendant vos règles, franchement, arrêtez tampon et serviette, c'est hyper mauvais. Risque d'infection, risque de choc toxique avec les tampons, enfin voilà, c'est hyper hyper mauvais. Et on va pas se mentir, c'est un budget quoi, tous les mois d'acheter des packs de tampons et serviettes, ça coûte cher. Donc c'est un réel budget. Donc passez aux culottes menstruelles, vraiment, moi celle que je peux. Donc celle que je peux vous conseiller, ben pour le coup c'est les culottes Blinks, parce que ça fait longtemps maintenant que je les porte. Je les portais aussi pendant ma grossesse, là je les porte après grossesse, je les portais avant aussi pendant mes périodes de règles, et c'est génial, ça m'a changé la vie. Ça c'est celle de nuit, parce que vous avez différents modèles sur site Blinks, vous avez aussi des strings pour celles qui ne portent jamais de culottes, vous avez des culottes taille haute, donc ça c'est celle que je portais pendant ma grossesse, et celle que je porte la nuit, vous voyez, elles prennent bien le ventre, la matière j'adore, je me sens grave à l'aise dedans. Et en fait tout simplement dans chaque culotte Blinks, n'importe quel modèle, vous avez à l'intérieur, et ça se voit pas, trois couches d'épaisseur, et c'est ce qui va venir absorber donc tout ce qui est règles, perte, fuite, tout ça, tout va être absorbé à l'intérieur de la culotte, et pour le coup c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de tampon ni de serviette, ça remplace, et ça vous le passez en machine, ça a une durée de 5 ans une culotte. Donc vu qu'on fait des économies, ça dure 5 ans, on a juste à les passer en machine, bah du coup on fait des économies. C'est beaucoup plus écolo, on va pas se mentir, et que tampons et serviettes. Et surtout, c'est trop pratique et trop agréable à porter. Donc voilà, moi j'adore les culottes Blinks, elles m'ont suivi partout. Avant la grossesse, pendant ma grossesse, après ma grossesse, et en fait, bah, comme je vous dis, 3 couches d'épaisseur à l'intérieur. Et c'est ça qui est génial. Et surtout, y a zéro risque fuite, vu que tout va à l'intérieur. Plusieurs tailles, plusieurs modèles, ça va jusqu'au 54. Voilà, c'est pour vous faire vraiment un résumé et pour vous dire passer à ces culottes-là. Et surtout, regardez, on ne voit pas que je porte une culotte. Voilà, elles sont faites d'une matière qui fait que on peut mettre des vêtements, des jeans et tout, et on ne voit pas qu'on est en culotte. Donc profitez de l'offre, moins 50% valable sur tout le site, donc profitez-en avec mon code promo. Bon, retour de cette machine-là que je trouve très nulle. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, perso, je trouve que ça n'aspire rien du tout. Vraiment, genre, Aya, elle a toujours encore sa crotte de nez quand j'essaie d'aspirer son nez avec ça. Donc, bien évidemment, je mets toujours du sérum avant. Il y a deux boutons. Donc, ça aspire petit, mais pourtant. Et ça aspire genre plus, plus, plus. Mais franchement, le plus, 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 même le plus, 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 je trouve que ça aspire rien du tout. Pourtant, ça aspire bien la peau, mais sinon, ça aspire rien dans le nez. Et en plus de ça, Alia, elle hurle encore plus. Donc, voilà, dites-moi, peut-être que je le fais mal, je sais pas. Mais en tout cas, je suis pas fan. Retour, j'ai payé ça peut-être 60€, un truc comme ça. Mais je suis déçue, je suis vraiment pas fan. Clairement, moi, j'arrête cette pilule. C'est... clairement de la merde, voilà. Après, il y a des femmes, ça leur convient apparemment. Ça fait longtemps que vous la prenez, tout ça. Mais quand je regarde les témoignages, il y a plus de femmes qui sont retombées enceintes sous cette pilule, qui ont eu des règles en plus, 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 enfin des saignements, c'est même pas des règles, des maux de tête, des dépressions, enfin voilà, il n'y a que des problèmes et aussi des prises de poids. Donc clairement, je l'arrête, je la prends plus. J'attends quand même le retour de ma sage-femme, mais bon, en tout cas, là, je l'arrête. Ça, c'est sûr. En plus, j'ai la tête. Elle va exploser tellement que j'ai mal à la tête. Et voilà. Et sinon, j'ai oublié de vous raconter. Cette nuit, à 5h du matin, je suis en train de donner le biberon à Alia. Et en face de moi, sur un mur, je vois... c'était comme... Non. C'était quand même... C'était énorme. Elle était énorme. Une araignée. Il y a araignée, chérie. Bon, bref, elle était énorme. Elle était énorme. Et vous savez quoi? J'ai réveillé G à 5h du matin. Et il s'est levé. Et il est venu la ramasser. Mais en plus, je lui ai dit, chérie, il y a une petite araignée. Non, il y a une araignée. Et t'as vu, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, mais elle est grosse parce que sinon, je t'aurais pas réveillée. Ouais. Réveillé, t'es dans le cul. T'as rien dit, par contre. T'es gentil. Je pensais que t'allais me gueuler un peu dessus, mais en fait, il a rien dit. Il s'est levé, il a attrapé avec un mouchoir. Et voilà. Mais elle était énorme. Allez, Zara, donne tout. Attends, on est comme ça.
c'est ça. Tu plies les bras, tu viens chercher loin. Oh. Shakira du pauvre. Je recherche une pierre de l'amour. Ouais. Parce qu'en amour, c'est la catastrophe. Donc, donnez-moi toutes les pierres que vous avez. Mais voilà, je veux une pierre de l'amour. Bon, il y a le quartz rose qui est la pierre de l'amour, de l'amitié, de la tendresse. La pierre rose. Parce que le rose, c'est la couleur. Il faut que je fasse quoi ? Je dors avec ? Ouais, il faut que vous l'aimiez, il faut que... Sinon, il y a une améthyste en forme de cœur. Mais elle est pas rose. Voilà. Donc là, tu bosses, hein, et puis il a pas l'air de rigoler, hein, je te cache pas. Il m'a dit qu'il va me donner la tablette. C'est pas des vacances. Dans ma vie. En fait, je pensais que ça retourne vacances, et que je fais que me faire passer. Ça me va bien. Super. Ça va ? Magnifique et fantastique, si je me permets. Merci. Collègue.